Monsieur le Président de la Commission européenne, cher Manuel Barroso, Madame la Ministre de la Culture, Mesdames les Ministres, Monsieur le Sénateur maire de Marseille, cher Jean-Claude Gaudin, Monsieur le Président du Conseil régional, cher Michel Bozet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes et responsables d'associations. Le Président de la République devait être présent ici aujourd'hui pour présenter ses vœux. Il devait le faire à l'adresse du monde de la culture, à l'occasion de l'ouverture de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Vous comprenez, je le sais, les raisons pour lesquelles il m'a demandé de le représenter cet après-midi ici. Et monsieur le sénateur maire, je voudrais vous remercier pour votre compréhension et vous remercier aussi pour ce que vous avez dit dans le contexte difficile de l'intervention de la France au Mali et vous remercier tout particulièrement pour la chaleur de vos propos. Ce moment de vœux, en effet, est teinté d'une façon particulière, de gravité, car nous avons à l'esprit que nos soldats, et on sait ce qu'est l'engagement des militaires au péril de leur vie, sont engagés dans l'action de soutien au Mali, à la demande de ce pays, et qui a été décidée par le président de la République. Et cet après-midi, je voudrais, avec vous, avoir une pensée particulière pour le lieutenant Damien Boiteux et pour sa famille. Merci, monsieur le président Barroso, pour votre soutien. Merci du message que vous avez adressé à la France. Alors, nous sommes rassemblés ici au MUCEM, au Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée, qui a été magnifiquement réalisé par Rudy Ricciotti, associé à Roland Carnat, et qui rassemble dans un geste, vous pouvez l'appeler ça, il rassemble dans un geste architectural commun l'historique Fort Saint-Jean, magnifiquement réhabilité, et ce bâtiment d'eau, de pierre et de vent, où nous sommes aujourd'hui.